qui se passe réellement à l'ONA. L'ONA, c'est l'Ordre National des Architectes de la République démocratique du Congo, cette structure qui réunit tous les architectes de la RDC. Qu'est-ce qui se passe réellement après les élections organisées le 12 décembre 2020? Mesdames et messieurs, nous sommes venus pour approcher le président élu de cette structure, Fiyou Ndondoboni, architecte de son état, mais également président d'un parti politique, Parti Orange. Avec lui, nous allons essayer de décrypter et de vous présenter la situation réelle qui se présente à ce jour par rapport à ces élections et vous présenter la suite du programme et de ce projet en tant que président de l'ONA. Enfin, nous allons analyser aussi l'actualité de la République. Mesdames et messieurs, vous le savez, que le Premier ministre a été déchu par l'Assemblée nationale, mais également l'Union sacrée avec cette nouvelle majorité. Tout ceci, c'est dans le cadre d'améliorer le développement, d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Bienvenue. Fiyou Ndondoboni, bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir, surtout que c'est une opportunité pour échanger avec la communauté congolaise, la RDC, le peuple congolais. Et ça a toujours été un plaisir parce que le peuple congolais a besoin d'une vraie information, le peuple congolais a besoin de relever des grands défis et le peuple congolais a besoin de communier avec son leadership. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Vous êtes manager général du cabinet d'architectes Ndondoboni, président national du parti politique Orange et président de l'Ordre national des architectes nouvellement élu il y a quelques mois à peu près. Qui est réellement Fiyou Ndondoboni pour ceux qui ne vous connaissent pas, si peut-être ma présentation n'a pas été complète? Merci, c'est une très bonne question. Fiyou Ndondoboni, je réponds au nom de Fiyou Ndondoboni Monkoso, architecte professionnel, ça sur le plan professionnel. Donc je suis architecte depuis 2000, j'ai mon diplôme d'architecte, j'ai été chef de projet dans un cabinet, le cabinet SEADS, pendant quelques années, et puis j'ai été consultant pour plusieurs projets Banque mondiale. Et après cette consultance-là, j'ai travaillé dans une multinationale où je suis sorti comme directeur, head of, et j'étais dans la gestion du projet pendant plusieurs années. Actuellement, je suis général manager de mon propre cabinet. Et l'ensemble de toutes ces choses m'ont donné une expertise multidimensionnelle parce que dans la gestion des projets, il n'y a pas que l'infrastructure, il n'y a pas que il y a également la dimension financière parce qu'il fallait, par de prévision, faire valider auprès des actionnaires. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu à sillonner le pays, les mondes, au travers de toutes les actions liées à la gestion des projets et à la matérialisation de tout ce qui concerne l'infrastructure. Donc ça m'a donné une expérience. Ndondoboni connaît les réalités qui se présentent aujourd'hui dans le Congo profond avec ce grand retard criant. Justement, le programme est criant. Le voilà. Manque des infrastructures. Exactement. C'est justement dans ce... parce que je suis arrivé à des coins. Écoutez, ici à Kinshasa, vous ne connaissez pas Nkuboko, vous ne connaissez pas les coins perdus comme Pokolo, vous ne les connaissez pas. Oui. Mais moi, je suis déjà arrivé là-bas. La réalité, en pleine forêt équatoriale, je suis arrivé dans les coins reculés à la province orientale, à l'équateur, au Kasaï. Je fais la route de Kasaï profond, je fais la route de Katanga, je fais la route de l'Est. Je fais toutes ces routes-là et ça me donne une idée générale de ce qu'est le Congo profond. Donc là où j'étais, dans cette grande multinationale de télécom, ça m'a permis pratiquement de me faire une idée de la République avec la conception et la matérialisation de l'ensemble des projets que nous faisions à l'époque. Et en tant que général manager de mon propre cabinet d'architectes, CAN, cabinet d'architectes Ndondoboni, où également j'ai cette expertise pendant 20 ans, j'ai eu à travailler de projets, vous allez voir les différents, je crois que les différents projets que j'ai déjà eu à faire, plusieurs études, donc ça fait un atout qui me permet d'être suffisamment outillé et présenter ma candidature comme président de l'Ordre. Ça, c'est sur le plan professionnel. Et du côté formation, j'ai le titre de l'architecte et j'ai également un troisième cycle à l'Université protestante au Congo parce que je fais un master troisième cycle en transformation sociale, option leadership et bonne gouvernance. Et tout ça sont les atouts managériels qui me permettent d'aller de l'avant. Et sur le plan politique, je suis président d'un parti politique.
Et nous avons évolué à l'opposition, à la dynamique de l'opposition à l'époque. J'étais membre du conseil de sage du Rassemblement jusqu'à ce que nous sommes allés aux élections. Et voilà, actuellement, nous sommes à côté du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée et toujours nous travaillons dans ce sens-là. Voilà un peu en résumé ce qu'est la personne. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Fioundo Ndoboni. Vous venez d'être élu comme président national de l'ONA. L'ONA, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est l'Ordre National des Architectes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous avons suivi un point de presse de votre prédécesseur qui niait la qualité que vous avez pour convoquer l'Assemblée Générale. Bon, en principe, ce n'est pas une situation qui devrait être présentée sur le média. Je me sens inconfortable de dire ces propos comme ça sur le média parce que, en ma qualité de président du Conseil, je suis censé ramener tout le monde à l'intérieur de la maison. Parce que la structure de la corporation a mis en place, l'organisation a mis en place des structures qui permettent de régler le litige. Donc, parce que le problème est à ce niveau, je suis obligé de donner les grandes lignes sans entrer en détail, parce qu'il faut à ces jours sauvegarder l'honneur et la dignité de la corporation, l'image de l'ONA, parce que l'ONA a un rôle important à jouer dans les contextes actuels, parce que la plupart, un grand coût d'investissement qui devra se faire dans cette nation ici, c'est dans les secteurs infrastructures. Donc l'Ordre des architectes a une grande responsabilité quant à ce, et nous ne souhaiterons pas qu'il y ait la distraction de ces côtés-là. En fait, c'est que c'est passé en grande ligne, les 12, il y a eu élection. Avant qu'il y ait élection, en 2018, il y a eu promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre des architectes. Et cette loi, avant la loi, nous étions la Société des architectes, comme une association. Il y a eu des présidents qui se sont succédés. Et maintenant, quand on promulguait la loi, oui, le président Brunel, pour citer son nom, était le président de la Société des architectes. Oui. Alors, ce qui fait qu'au cours d'une assemblée constituante, on lui a attribué cette... Parce que la loi disait qu'il faudra une transition de 2 ans pour qu'on mette en place tout le règlement intérieur et tous les autres documents annexes à la loi. Et c'est lui qui a conduit cette période-là. Et au maximum 2 ans, on devait mettre en place les structures fonctionnelles menant de l'ordre. Okay. Alors, au 12 décembre, au cours d'une assemblée élective, il y a eu élection. Et c'était assez serré. Et on a commencé à 11h, nous avons fini à 22h. Parce que c'était séance tenante. Chacun, on appelle le nom comme on fait à l'Assemblée nationale. On t'appelle, tu viens, tu prends le bulletin, on vérifie ta procuration, on vérifie... si c'est conforme, parce que tout le monde avait son témoin. Il y avait combien de candidats? À la présidence, il y en avait 2. Il n'y avait que vous et l'architecte Brunel. L'architecte Brunel. Oui. À la présidence, il y avait 2 candidats. Du reste, tous les postes, il s'avérait que ça fait présenter qu'il y avait 2. Okay. Position, majorité. Bon, dire comme si ça. Vous voulez prendre ça comme ça. Oui. Donc, alors, et chacun, il y avait le témoin de tous les côtés. Quand quelqu'un vient voter, on vérifie, tu as une procuration, on appelle d'abord, conformément à ceux qui sont inscrits au tableau, on appelle, est-ce que tu as une procuration? Oui. Si tu as la procuration, on vérifie, les 2 témoins valident la procuration, le président de la commission te donne le bulletin. Le vote était secret. Secret. Il y avait 5 ou 6 urnes comme ça, on te donne ton bulletin, tu vas, tu votes. Et chaque architecte a été appelé comme ça, est allé voter. Et en présence de huissiers de justice. Et les huissiers de justice étaient présents, ils ont dressé derrière leur procès verbal, qui est, la justice a scellé pour valider, pour concerner la certification. Donc, les opérations se sont passées normalement et on a fait les comptages. Il est vrai, quand les élections ont fini, le président de la commission électorale a demandé 30 minutes de pause. Parce que tout le monde était fatigué, il fallait grignoter quand même quelque chose. Il y avait combien des électeurs pour amener l'élection de 11h à 22h? Non, il y avait 360 ou 70 quelque chose électeurs, oui. Hein, c'est-à-dire y compris les procurations. Il y avait 65, je crois, procurations. Oui. Donc, dans la salle, il y avait près de 300. Si vous ajoutez les procurations, 360 quelque chose. Okay. Alors, parce qu'il fallait faire la vérification. Quand on vous appelle, les procurations, oui, tout ça, ça prenait du temps. On a fini vers 18h ou 19h. Maintenant, il fallait commencer les dépouillements. Les dépouillements avec le tableau, tout ça.
Et chaque, tout le monde vérifiait le bulletin. Le bulletin sont encore là jusqu'aujourd'hui auprès du président de la commission électorale. Les bulletins sont là. Et à la fin, quand on a publié, on a fait les comptages, lui-même a pris la parole pour reconnaître et pour féliciter sa défaite, féliciter. Et même, il a dit, je te bénis pour dire que, il a ajouté pour dire que chaque fois que tu auras des trucs, je reste là comme conseiller parce que le défi est énorme. Toute la confrérie l'a applaudi et c'était formidable, c'était extraordinaire. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'il crie à la tricherie? Alors, donc c'est peut-être à partir de ces 30 minutes de pause que le président de la commission électorale a donné pour grignoter que peut-être là, oui, en ce moment, on a glissé peut-être d'autres bulletins mais si on doit, à votre faveur, parce que c'est vous. Si on doit glisser le bulletin, oui, le nombre total de votants, parce qu'il y a une liste, non? Oui. Si on doit glisser le bulletin, le nombre total de votants par rapport au nombre de bulletins, il y aurait un écart. Oui. Donc, le nombre total de votants est égal au nombre de bulletins à l'intérieur. Donc, on ne peut pas bourrer. C'est pratiquement impossible de faire une tricherie à ce niveau-là. C'est pratiquement impossible. Et notre règlement d'ordre intérieur dit ceci. Si vous avez un problème pour la publication des élections, dans l'heure, il faut contredire. Oui. Il n'a pas fait, il a félicité. Et 48 heures après, il a fait un recours à la commission électorale. Je crois 24 heures ou 48 heures après, la commission électorale a répondu disant que non, tu as dépassé le délai. Les propos que tu avais tenus sont contraires à ce que tu es en train de dire. Par conséquent, moi je publie le résultat. Il a publié le résultat officiel. Alors, on a publié le résultat après combien de jours? C'est 15, je crois. Ça doit être lundi ou mardi. Les 3 jours après. Oui, c'est tout à fait normal. Okay, oui. Donc, parce que il n'y avait pas de. Sur place, il n'y avait pas une opposition, il n'y avait pas de documents à traiter, et les mais documents à traiter sont arrivés à jour. Même au niveau de l'Assemblée nationale, où il y a 500 députés, nous avons constaté. Permettez-moi de faire l'illustration de l'Assemblée nationale, parce que là, il y avait 367, à peu près le même chiffre, c'est-à-dire on a fait le dépouillement le même jour, on a publié les résultats le même jour. Mais pourquoi? Vous, avec le même nombre, vous n'allez pas me dire que c'est la logistique qui vous a manqué. Pourquoi publier 3 jours après? Non. Je parle bien des décisions définitives. Sur place, on a publié le résultat le même jour. On a publié. Voilà pourquoi les résultats provisoires avant publié, le résultat définitif. Oui, parce que le provisoire, okay, s'il y a contestation, oui, la commission doit avoir les temps de traiter ces contestations. Voilà la précision. Voilà, la commission doit avoir le temps de traiter les contestations. Et 3 jours après, on a publié les résultats définitifs. Alors maintenant, c'est à partant de ces recours-là, le président Brunel a consulté maintenant les organes de la justice, chose qu'il ne devait pas faire parce que ça doit s'étendre en interne, les organes de la justice pour dire que non, on n'a pas traité ces dossiers. Il a demandé à ce qu'on puisse annuler, suspendre la publication des résultats définitifs. Okay. Alors, c'est comme ça qu'il est le principal de la demande qui était introduite. D'abord, il a accusé le président de la commission électorale. Bref, ça fait vraiment une cacophonie des autres. Moi, je ne suis pas trop connaisseur de justice là. Je ne maîtrise pas tous les rois de la justice parce que je n'ai jamais été là pour des questions. Peut-être lui maîtrise très bien. Mais du moins, ça crée une situation telle que, à fin de compte, il a obtenu un jugement, une ordonnance qui demandait de suspendre la publication de résultats, en fait. La publication des résultats. Ordonnance venant d'où? Du Conseil d'État. Le Conseil d'État. Il a introduit 2 requêtes, je crois, au Conseil d'État. Oui. Qui lui demande la suspension de la publication de résultats. Alors, maintenant, cette ordonnance a été publiée le 13 janvier. Oui. Alors, mais les 14 décembre ou 15 décembre, les résultats définitifs étaient déjà publiés. Et le 8 janvier, on avait déjà installé. Donc, ce qui fait qu'en principe, l'ordonnance est déjà installée au mois de janvier. Parce que comment on vous installe sans pour autant qu'il n'y ait pas remise et reprise? Non, la remise et reprise et l'installation sont 2 choses différentes. On installe d'abord. On installe parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? La remise et reprise vient après. Oui, qu'est-ce qui se passe? Notre règlement de l'intérieur dit ceci. Le jour de l'assemblée élective, quand la commission électorale, avant de commencer les élections, on accorde la parole
au président sortant. Le président là dit son mot et fait même son rapport d'activité. Et juste quand il finit de faire son discours. Sur cette vidéo qu'on voit, le président Brunel en train de vous féliciter. Oui. Juste quand il finit sa déclaration, il est réputé démissionnaire. Donc, ce qui fait que la commission électorale prend la gestion, il fait les organismes des élections et il va installer les nouveaux les comités ou le conseil, le bureau élu. Maintenant, après installation, le bureau là va faire la remise. La remise, c'est un acte administratif, en fait. Va faire la remise et reprise pour la gestion et la poursuite de dossier. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant, cette ordonnance-là qu'il a présentée devant la presse, c'est une ordonnance qui demande la suspension de la publication des résultats. Donc, en droit, on dit qu'une ordonnance, en réalité, qui n'a pas de fait, en fait. Parce que c'est comme si tu me fais une ordonnance pour déguerpissement. Moi, je suis déjà sorti. Donc, cette ordonnance n'a pas de valeur. Okay. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mais quand même, nos avocats ont fait un recours, comment on l'appelle ? Un appel pour que, bon... Ça soit pas exilé tant que on aille sur les dossiers de fond. Mais le Conseil de l'ordre a eu au même Conseil d'État une autre ordonnance qui est sortie il y a quelques semaines, qui se déclare incompétent pour juger cette question parce que ça relève d'une organisation interne. Vous comprenez? Donc, c'est en cela que toutes les déclarations que notre confrère a faites. C'est seulement dans le sens de nuire ou de détruire l'image de la corporation et de ramener la corporation dans une confusion. Parce que je ne peux pas comprendre, imaginer au stade actuel un responsable, une personne qui tient le parole de félicitations, qui tient le parole d'encouragement, d'accompagnement et 48 heures après, ça soit un recouvrement, je ne sais pas, à 180 degrés. Ça me dépasse en fait. Voilà pourquoi le conseil a mis en garde les confrères pour lui dire que nous sommes à un niveau où les enjeux sont très importants. Cette mise en garde, c'est faite quand? La mise en garde a été faite 24 heures après sa déclaration à la presse, où il a présenté l'ordonnance, où il dit... Juste après le point de presse qu'il a tenu, ouais. Il a eu mise en garde. Il a eu une mise en garde, oui. Il a eu une mise en garde et ce qui est malheureux encore, c'est que, supposons qu'il puisse avoir l'ordonnance de la suspension, mais d'office, ce n'est pas lui qui préside les conseils, parce qu'il est réputé démissionnaire déjà avant les élections. Donc, il n'y a aucune ordonnance qui le restaure, en fait, comme président. Il n'y a aucune ordonnance. Je présente vraiment toutes mes excuses auprès de nos téléspectateurs. Je sais que beaucoup ont eu mal, parce que la nation... devra être rebâti différemment, autrement, loin des conflits, loin des problèmes. Nous devons avoir la capacité managériale de traiter les difficultés, les problèmes en interne. Non pas ajouter à la population d'autres problèmes qui doivent être réglés. Si on a en interne, si l'autorité a promulgué la loi portant organisation et fonctionnement des architectes, en première raison, c'est pour la population. C'est pour sécuriser la population. Si, à notre niveau, il y a cette difficulté-là, ce ne sera pas bien. Voilà pourquoi, au nom de toute la corporation des architectes, en qualité de président du Conseil national, du premier Conseil national de l'Ordre des architectes, je tiens à présenter toutes mes excuses auprès de la population pour cette cacophonie qui s'est créée, due tout simplement à une agitation d'une personne qui veut s'est positionné partant de différents problèmes il peut y avoir peut-être avec X, Y ou Z. Donc nous allons mettre tout en œuvre de manière à ce que la discipline, la loi et tout le reste puissent gérer et sanctionner correctement toutes ces personnes qui s'amènent à de telles aventures. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause. Je vais demander à la réalisation de nous balancer cet élément où on voit le président Brunel en train de vous féliciter et puis on va revenir après pour poursuivre cette émission. Merci. Je pense que pour ce soir, l'événement le plus important, c'était que l'ordre voulait s'offrir un nouveau président. N'est-ce pas? Alors,
au poste du président de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que le premier président du Conseil de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, récité l'architecte Lungu. C'est l'architecte Ndodo Boni, Mokoso Fiou, qui a gagné avec 216 voix. Toutes nos sincères félicitations. Nous avons serré notre bâton, mon frère Fiou. Et c'est sur votre sanction. Ça signifie que les services que nous avons rendus, vous avez trouvé qu'il était temps pour changer de pôle. Et je le félicite, je le bénis. Ce n'est pas une tâche facile. Mais je crois que nos services seront toujours à votre disposition comme conseiller. Nous serons toujours à côté de vous. Un revirement spectaculaire qui surprend et étonne le nouveau comité du Conseil de l'Ordre national des architectes. Sur ces images, c'est le président sortant du Conseil de l'Ordre, Brunel Gibali, après l'Assemblée générale élective de décembre 2020, qui a porté à la tête de cette structure Fiou Ndodo Boni. Il faudra qu'on mette de l'ordre dans ce secteur. La personne de l'architecte doit être sécurisée. Nous avons une grande responsabilité pour accompagner le gouvernement, la vision du chef de l'État dans l'exercice de la matérialisation de toutes les questions qui concernent l'infrastructure. Le secrétaire général Achille Maté, qui a lu les communiqués de l'ordre, met en garde l'ancien président et promet de saisir les conseils des disciplines pour des sanctions exemplaires. Le bureau du Conseil de l'Ordre des architectes a été surpris de lire et suivre dans les médias les propos tenus par les confrères Brunel Gibale lors d'une conférence de presse qui s'est tenue sans autorisation dans les bureaux du Conseil national. Les déclarations et propos tenus par les confrères Brunel Gibale lors de cette conférence de presse sont extrêmement graves et de nature à créer la confusion, à semer la division au sein de la corporation et à décrédibiliser l'ordre des architectes auprès des autorités et des différents partenaires. De ce fait, le Conseil de l'ordre met en garde le confrère Brunel Gibale et promet de saisir le conseil de discipline au moment opportun pour des sanctions appropriées. D'ores et déjà, le Conseil de l'ordre convoque une assemblée générale pour ce 30 janvier. Le Conseil de l'ordre confirme la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 30 janvier 2021 à 10h dans la salle polyvalente Perle de Sainte-Anne. A cet effet, le Conseil invite les architectes à venir massivement assister à cette Assemblée générale extraordinaire afin de poursuivre la mise en place des organes définitifs de l'ONA. Merci beaucoup à la réalisation. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à votre confrère? Peut-être qu'il est en train de nous suivre maintenant. Et même s'il n'est pas en train de nous suivre, le message lui sera transmis. En fait, si j'ai un message à lui faire, c'est... Il a joué sa partition, il a joué un grand rôle, il a fait un grand travail. Et l'honneur est une chose très importante. Et je lui conseille de revenir en lui-même et d'arrêter ce qu'il est en train de faire. D'arrêter, et ce n'est pas bien pour la corporation, moins encore pour lui-même. Et si on commence à voir même les jeunes architectes citer son nom dans le sens de décrier son comportement, ce n'est pas bien. Il est quand même un architecte principal, senior principal, donc il ne faut pas qu'on puisse lui manquer de respect. Le conseil que je lui prodigue, parce que nous, en tant que conseil de l'ordre des architectes, nous allons faire appliquer les règles internes. Mais je lui prodigue un conseil de revenir à la maison et d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire, parce que ça l'amènera nulle part et ça va nuire l'image de la corporation pour rien. Êtes-vous prêt à laver les linges sales en famille? Mais bien sûr. À harmoniser avec l'architecte Brunel et parler le même langage et regarder dans la même direction pour l'intérêt de l'ONA? Bien sûr, s'il revient, il reconnaît seulement toutes ces faiblesses-là. Il n'y a pas de problème, il est un confrère. Mais moi, en ma qualité de président du conseil, j'ai la
C'est vrai, il y a la dimension émotionnelle, il y a le cœur qui existe, mais en même moment, il y a le bâton de la discipline. Parce qu'il faut discipliner pour que d'autres personnes ne puissent pas revenir sur le même histoire. Donc j'ai les deux bâtons avec moi. Donc pendant que je demande à ce qu'il y ait cette dimension humaine, émotionnelle de revenir, mais il y a la dimension de la loi, de la discipline que je dois faire appliquer également, du règlement de l'intérieur. Donc si les infractions commises, les attitudes qu'il a eues, sont condamnés par le règlement de l'intérieur, il sera obligé d'être sanctionné. Parce que si je ne le fais pas, je serai complaisant en fait. Vous comprenez? Donc il y a les deux choses et je souhaiterais vraiment que nous puissions bâtir notre structure dans l'unité, dans l'amour, dans la joie et que nous soyons cet instrument utile qui permettra à notre nation de décoller. C'est avec beaucoup de mal au cœur que je fais sortir cette saleté qui devrait être mise en interne. Mais, encore une fois, je pense que ça sera la dernière fois que je puisse parler de ces propos, parce que c'est censé être résolu en interne, pas sur un plateau de télévision. Fiyuno Doboni, élu premier ou deuxième président, depuis que l'ONA existe, c'est les premières élections. Premières élections de l'ordre des architectes. Okay. Parce qu'avant, il y avait des élections, mais de la Société des architectes, qui était une association. Maintenant, l'ordre, c'est une loi. Donc, la loi nous donne le pouvoir d'être le conseiller technique du gouvernement. C'est-à-dire, notre responsabilité, nous participons dans la conception, dans la stratégie, en amont comme dans l'aval, en ce qui concerne le projet de développement de la République. Vous comprenez? Nous avons une grande responsabilité. Mais le gouvernement, le gouvernement nous fera confiance si nous faisons preuve justement de cette capacité de jouer ce rôle. Vous comprenez? Donc, les attentes sont énormes. Les gouvernements, les chefs de l'État et toutes les institutions nous regardent. Il faudra pas que nous soyons dans une situation où on s'est dit que le petit problème interne, là, puisse déranger, déstabiliser les grands projets qui se présentent devant nous pour l'intérêt de la République. Il y a tous ces désordres à travers le pays. Des constructions anarchiques, des expats qui viennent construire en désordre chez nous. On ne sait même pas qui est architecte, qui n'est le pas. Il y a l'identification des architectes. Il y a tout ça. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Et nous devons être une structure forte, comme tous les ordres avec professionnels. Beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Une structure forte parce que nous avons la possibilité de créer beaucoup de richesses pour l'État. Nous avons cette possibilité. Et nous avons la possibilité de discipliner tous ces lotissements anarchiques désordonnés qui se font. Nous avons la possibilité de mettre l'ordre sur l'organisation spatiale de notre ville, de notre nation. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui est plus important au lieu de se limiter sur son bout de nez, sur les configurations vraiment éphémères. Quel est votre plan stratégique pour améliorer la situation d'un architecte congolais aujourd'hui, par rapport à votre mandat? Notre mandat s'articule autour de trois axes importants. Premier axe, c'est la vision générale, c'est OFU, un ONA fort et uni. Ça, c'est la vision générale qui est notre. Premier point, justement, c'est travailler pour l'unité de cette corporation. Il y a des actions phares qui sont là-dedans. Deuxième chose, il y a nous impliquer, nous, pas imposer, mais nous rendre indispensables comme structure accompagnatrice de toutes les opérations qui se font dans les cadres du gouvernement et autres. Ça, c'est la deuxième vision. Construction, développement. On doit être impliqué dans la chose. Ça, c'est la deuxième option. Troisième chose, c'est la personne maintenant de l'architecte. Son épanouissement, son développement, sa situation sociale, la protection de la profession, tout ça. Ce sont les trois grands axes. Et ce sont ces axes-là que nous avons mis en place, et nous avons mis en place un budget pour notre 3 ans de mandat qui était autour de 4 millions quelque chose, et nous avons 4 millions de dollars exactement pour créer de revenus par rapport à revenus à la corporation, et en termes de dépenses c'était autour de 2 millions 700 quelque chose près de toi, c'est autour de ces montants là et autour en termes de dépenses, et ce qui fait que nous avons pris l'engagement en sortant, nous puissions laisser à la caisse de la corporation une somme autour de 1 million 200. Vous comprenez? 4 millions. Oui, laisser, parce que les grandes activités à faire dans notre budget, on doit avoir un siège responsable digne pour l'ordre des architectes. Jusqu'à nous sommes propriétaires. Jour, on n'a pas de siège. On a de siège, mais on loue quelque part. High-tech, un petit espace là.
en réalité qui n'est pas digne des architectes. Donc, il faut qu'on puisse avoir un bâtiment quand n'importe quelle personne qui vient, parce que nous reflétons quand même l'infrastructure du Congo, nous reflétons cette nation qui donne des grands marchés, des grandes opportunités à d'autres personnes, nous devons avoir un siège responsable. Donc, voilà pourquoi, en termes d'investissement, il y a l'acquisition de ces sièges-là, et puis il y a le côté charrois, mobilier, tout ça, c'est prévu. Ça, c'est les grands investissements. Aucun véhicule, Lona n'a pas de véhicule. Nous n'avons rien, mais en fait. Dites-moi un peu, à quoi servira ces 4 millions et d'où est-ce que vous allez tirer ces 4 Justement, millions? Justement, nous avons... La source de votre financement. Nous avons présenté cette initiative qui puisse créer ses revenus. Il y a cette initiative. Parmi ces initiatives, hein, il y a également nous, l'implication de notre dans tous les projets de l'État. Mais en dehors d'abord, avant d'en arriver à ces initiatives, cette initiative-là, d'où est-ce que l'ONA tire son argent? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Brunel, il ne veut pas lâcher. C'est comme s'il y a un intérêt là par rapport à ce leadership d'être à la tête de l'ONA. D'où est-ce que l'ONA tire ses financements? Bon, au stade actuel, l'unique source principal, c'est la cotisation des architectes. L'architecte aujourd'hui cotise $200 l'an. Les derniers tableaux, il y avait près de 500 architectes. Donc, ça fait $100,000 l'an, en fait, par rapport en dehors de tout le petit frais là. Ça fait autour de ces montants. Et en dehors de ça, il y a peut-être certains partenaires. Dernièrement, j'ai échangé avec certains partenaires où ils aimeraient qu'on développe un certain nombre extérieur, un certain nombre de, ça peut être des universités, comme certaines firmes, tout ça. Il y a des initiatives que nous pouvons créer nous-mêmes maintenant avec certains partenaires qui vendent les matériaux de construction, qui demandent peut-être dans la conception de l'architecte, ils puissent insérer leurs matériaux pour que quand l'entrepreneur va exécuter, ils aillent l'acheter. Tout ça, ce sont des partenariats qui peuvent être créés pour créer des revenus. Avec des commissions qui existent. Bon, évidemment, ouais, il y a par exemple des commissions officielles. Si je vous prends par exemple l'exemple de l'INSS ou la SONAS. Non, je ne refuse pas, mais j'ai dit des commissions qui existent par rapport à... Par rapport à la loi, oui, ça existe. Donc, aujourd'hui, si nous faisons un partenariat, par exemple, avec l'INSS, où nous demandons à ce que tous les architectes puissent se retrouver, puissent avoir des cartes, tout ça, au sein de l'INSS, l'INSS, d'une manière officielle, va faire des restitutions auprès de l'ONA. Et cet argent-là, ça constitue des entrées, en fait. Nous avons identifié cette initiative, pour ne pas entrer en détail, cette initiative qui nous permet justement de créer ces 4 millions de revenus. 4 millions de revenus, là, c'est par an? C'est pour les 3 ans de notre mandat. Ah, le mandat, c'est de 3 ans? 3 ans, oui. Renouvelable? Une fois. Okay. Pour les 3 ans de notre mandat. Parce que nous avons voulu, de par ce que Dieu a fait grâce que nous sommes, nous puissions donner notre apport de manière à ce que cette corporation puisse prendre l'élan. Donc, nous tenons absolument, nous allons nous battre de manière à ce que nous puissions avoir ces résultats par la grâce de Dieu et que ceux qui viendront après nous puissent avoir l'occasion de continuer correctement et la corporation soit forte. Moi, je suis un architecte professionnel. Donc, même si je suis dans la politique aujourd'hui, mais demain, ma vie de tous les jours, je suis architecte. Là, je vous reçois à mon cabinet. Donc, ma vie de tous les jours, je suis un architecte professionnel. J'ai des clients, j'ai des personnes avec qui je traite mes dossiers qui ont beaucoup de respect et de considération à ma personne parce que je reste dans les valeurs déontologiques d'intégrité, de respect mutuel. Donc, je ne pourrais pas accepter que tout ce qui concerne médiocrité, saleté, puisse s'apporter au sein de la profession parce que nous avons une profession dès la noblesse et nous devons rester nobles dans notre façon d'agir et de faire. L'idée me venait en tête de poser la question pour savoir combien ce qui vous reste dans la caisse, mais vous n'avez pas encore fait la remise. Non, en fait, combien il nous reste, ce qui est vrai, on fera la remise et reprise, oui, mais il y a un audit qui est prévu, qui doit se faire, pour voir comment l'argent des architectes, c'est normal parce qu'on ne peut pas commencer sans audit. Parce qu'on ne va pas hériter une certaine, entre guillemets, s'il n'y a pas de mégestion, nous dirons gloire au Seigneur. Mais s'il y en a eu, mais du moins, des experts externes, des auditeurs, puissent dresser la situation et que nous puissions commencer à avoir un départ qui soit responsable. Et quelles sont les conditions aujourd'hui pour un architecte? Il y a des architectes qui nous suivent en ce moment, qui peuvent se dire comment est-ce que je peux faire pour adhérer à l'ONA? Non, en fait, tous les architectes, avant d'opérer, de fonctionner en RDC, il faut
être inscrit au tableau de l'ordre des architectes. Comment ? Avoir un diplôme d'architecte au sein d'une institution université reconnue par l'État, oui. Parce que sérieux, c'est la reconnaissance de l'État. Oui. Reconnue par l'État, il y a le casier judiciaire, il y a les documents administratifs traditionnels qu'on demande. Quand vous amenez, et les conseils va étudier et va vous admettre pour avoir 2 ans de stage. On vous accepte comme stagiaire, architecte stagiaire pendant 2 ans. Et ce n'est qu'après ces 2 ans que vous allez, il y aura une organisation et vous allez être architecte senior, enfin junior, si vous allez avancer. Les juniors ou les seniors, c'est seulement par rapport à l'âge. Ça ne dérange en rien ta possibilité, ta capacité ou les niveaux de marché que tu puisses avoir. C'est seulement l'âge, en fait. Parce qu'un architecte junior peut avoir beaucoup plus d'expérience qu'un architecte senior. Si pendant les 2 ans de son stage, par exemple, il a fait des projets importants avec son maître de stage, il sort 2 ans après avec une expérience beaucoup plus agrandie qu'un senior qui n'a été que dans les petites histoires des gens, petite pharmacie, petite maison, petite, vous comprenez. Donc, ce n'est pas vraiment lié à l'âge, mais c'est seulement pour catégoriser. Ce n'est pas mal lié à la capacité, mais c'est seulement pour catégoriser un peu les choses. Fioun Dodoboni, vous êtes également président d'un parti politique, Parti Orange. Quelle est votre lecture aujourd'hui sur l'actualité de la République démocratique du Congo? Nouvelle majorité mise en place, 391 députés, déchéance du Premier ministre, Ilunkamba, il a reconnu hier, au cours d'un communiqué, il attendait d'être notifié pour agir en tant que républicain. Êtes-vous dans l'Union sacrée ou quelle est votre vision? Non, la vision actuelle, c'est que c'est déjà une grande satisfaction parce que le chef de l'État a présenté la coalition FCC-CACH comme une difficulté qui l'empêchait de faire le pas. Le chef de l'État a pris l'engagement avec la population en 2018 et il a l'obligation de faire, de rendre ou d'apporter des solutions à tous ces engagements qu'il a pris. Donc la coalition FCC-CACH s'est présentée comme un obstacle et il a présenté une solution qui est l'Union sacrée. Donc nous avons salué cette initiative personnelle du chef de l'État, nous avons encouragé et nous avons accompagné et nous accompagnons. Ce qui fait que, parce que l'Union sacrée aujourd'hui, cette conception de l'Union sacrée doit s'intérioriser même dans toutes les organisations professionnelles. Parce que c'est quoi l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est réfléchir autrement, faire différemment, pas comme autrefois. C'est-à-dire, si nous étions dans la médiocrité, nous quittons la médiocrité, nous venons dans la faiblesse. Si nous traitions nos problèmes en justice dans ceci, nous quittons ces mots, nous venons en interne. En fait, c'est une nouvelle façon de gérer pour l'intérêt de la communauté. Parce que le socle dans la conception de l'Union sacrée, c'est la population, c'est la communauté, c'est le peuple. Quand un manager, un acteur politique ou un chef d'entreprise commence à réfléchir pour l'intérêt de la population, l'intérêt de la communauté, non pas par rapport à ses plans machiavéliques pour ses intérêts personnels, voilà, il est affranchi et il devient Union sacrée. Mais ce sont les mêmes visages, Fillon de Dogoni, ce sont les mêmes visages que nous avons vus hier au FCC, au PPRD, que vous avez accusé, parce qu'il y a un moment, je sais que vous êtes dans l'opposition, vous étiez dans l'opposition, vous avez milité à côté des papa Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, mais ce sont ces mêmes personnes. Donc c'est comme, nous pouvons dire aujourd'hui que l'Union sacrée, c'est une blanchisserie, quand ils sont là maintenant aujourd'hui, on oublie les fautes du passé de toutes ces personnalités et maintenant ils sont blancs comme la chemise blanche que vous avez mise. Oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un, je suis chrétien, si aujourd'hui quelqu'un s'est converti, il vient dans le Seigneur, c'est vrai, Dieu va le pardonner, il est converti, il commence sa vie, mais s'il a commis des infractions d'ordre public, ce n'est pas à cause de sa conversion que la justice va le laisser. Vous comprenez? Donc, ça c'est l'affranchissement, mais la même personne qui s'est convertie là, puisqu'il a la conversion, il est dans les seigneurs, ses actions vont changer dans l'avenir. Il va commencer à faire les choses pour l'intérêt ou pour la gloire de Dieu. Mais les actes qu'il a posés dans le passé, si la justice se rend compte qu'il y a un acte contraire à la loi, la justice va s'en charger. Donc l'Union sacrée aujourd'hui, comme je dis, c'est un affranchissement, une façon
d'agir et de faire. L'appel du chef de l'État, il a dit, voilà, nous avons un problème de gestion. Je veux bâtir la gestion aujourd'hui orientée résultat. Une gestion qui s'oriente dans la dimension de la performance et des résultats. Donc je vous invite pour que nous bâtissions autrement le Congo. Je peux avoir un poids politique, c'est une chose, mais je dois également avoir la capacité managériale de délivrer parce que le résultat, c'est le point culminant, le point d'achèvement ou d'achoppement, le point final, en fait. Vous comprenez? Donc, tous ces paramètres vont ensemble, le savoir-faire, le savoir-être, qui permettent justement au chef de l'État de trancher, d'élever l'option avec qui je vais faire cette marche-là. Le poids politique, ce n'est pas l'unique option qui te définit d'être acteur sélectionné, de travailler. Parce que tu peux avoir un poids politique, mais tu n'as pas tous les atouts nécessaires pour délivrer les résultats attendus par le chef de l'État. Donc, voilà un peu ce que cette vision ingénieuse que le chef de l'État a conçue, qui met à la disposition le peuple congolais et l'ensemble d'acteurs politiques ont considéré que c'est vraiment exceptionnel comme une stratégie hautement réfléchie. Un type de leadership qui devra même faire l'objet des études de mémoire, de manière à ce que tous ces éléments-là soient présentés pour les générations futures. Parce que ça, c'est une source d'inspiration énorme. Croyez-vous à la réussite des lieux sacrés pour répondre aux attentes de la population, précisément sur le volet social? Je crois sincèrement, d'abord je crois à la sincérité du chef de l'État, à sa volonté et à son engagement. Lui, la personne, elle, la personne, et sa détermination et son charisme, son sens de leadership. Je crois en cela. Et je pense que c'est un atout nécessaire et important qui puisse faire tourner la machine dans le sens du développement. Parce que sa détermination est telle que tout ce qui viendra dans le sens de nuire ou de faire marche arrière, sa détermination est plus forte pour tourner dans le sens du développement. Et ça, c'est la chose la plus importante. Tout le reste, ils vont s'aligner sous son leadership, l'influence qu'il va dégager en tant que leader et les actions qu'il va mettre en place en tant que leader, le programme qui est en train d'être mis en place de manière à ce que le premier ministre qui va être nommé et, soit à mesure de délivrer avec son gouvernement conformément aux grandes orientations que le chef de l'État va donner. Nous tenons également à féliciter par cette occasion l'informateur qui a fini son travail, il a remis son rapport. En tout cas, toutes nos félicitations à l'informateur, oui, l'honorable professeur Bahati, autorité morale. Ouais. En tout cas, nous tenons à vous féliciter pour le bon travail que vous avez réussi à faire. Nous demandons aussi, par la même occasion, au président de la République de nous proposer, aux Congolais une nouvelle classe politique des dirigeants. Sur le plan du gouvernement, nous avons besoin vraiment d'une nouvelle classe politique. Cette émission est terminée. Fiyou Ndoboni, en deux minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans notre magazine? Ce qu'il faut me retenir, c'est un message d'abord d'espoir et un message d'un effort personnel de développement. Le message d'espoir pour rappeler à l'ensemble de notre peuple notre identité. En tant que nation, en tant que peuple, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur. Et quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, nous devons toujours rester attachés à notre identité de la grandeur. Pour les architectes, nous devons rester attachés à notre identité de la grandeur. Voilà pourquoi, de demain, nous allons être à notre assemblée, c'est le 30 janvier à 10h, à Sainte-Anne, nous allons être à notre assemblée générale extraordinaire pour traiter nos questions internes. Pour la population, c'est un message d'espoir. Un message de foi et de conviction d'attachement à la vision du chef de l'État pour la matérialisation de l'union sacrée. Et cette vision-là, c'est une solution au problème du Congo. La stratégie mise en place, c'est pour justement lui permettre de répondre aux grands problèmes, aux grands défis qui se présentent devant l'ensemble de notre peuple. Les défis sociaux, les défis de l'eau, de l'électricité, tout autre, les défis de la classe moyenne, de l'emploi, ces grands défis vont être relevés et 3 ans plus tard, quand le chef de l'État va revenir, vous allez encore lui redonner confiance parce qu'il va délivrer ce que vous lui avez demandé de faire. Que Dieu bénisse notre nation, bénisse notre chef de l'État ainsi que toutes les autorités et tous les architectes qui me suivent en ce moment. Merci. Nous sommes pendant la période de vœux, c'est-à-dire vous clôturez cette émission. Tous les invités qui se sont succédés au cours de ce mois de janvier et le mois de décembre ont eu cette opportunité, cette occasion, je voulais dire, de présenter les vœux aux personnes qui sont... Le vœu au chef de l'État, je présente le vœu à ma famille, mon épouse, mes enfants,
Je présente le vœu à mes frères et sœurs, je présente le vœu à tous les architectes, je présente le vœu aux membres de mon église, pasteurs et autres, je présente le vœu à tous les membres du parti, je présente le vœu à tout le peuple congolais, que cette année soit une année pleine de succès et d'amour. Aimons-nous beaucoup plus ensemble pour que nous puissions bâtir une nation forte. Je vous présente mes voeux également. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse tous. Comment trouvez-vous l'émission? C'est votre première participation. Vous avez déjà eu l'occasion de la suivre. Comment est-ce que vous la trouvez? Non, c'était bien, très bien, détendu. Toute l'équipe était sympa. Et voilà, donc je me suis senti à l'aise dans l'émission. En tout cas, félicitations. Tu fais un très bon travail, un excellent travail dans la communication liée au secteur de l'infrastructure, qui est un secteur très important parce qu'en termes même de budget, ça consomme énormément en termes d'investissement au sein de notre nation. En tout cas, coup de chapeau, un bon travail. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous répondiez à notre invitation. De toute façon, à tout moment qu'on aura besoin de vous. Votre émission va devenir le partenaire de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup, Fioune Dodogoni. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité est président, le tout premier président élu de l'Ordre national des architectes, ONA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. On se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Nous vous demandons également de vous abonner massivement sur cette chaîne. Vous allez la retrouver également sur d'autres chaînes, RTNC2 et RTNC3. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.